Bakula yeli susu na pokwa hoyo. Potu yoka yokaka. Mususu te yonde. Bomo yango bwasiko. Pambula lisusu pokwa lelo. Lokola Izrakilobi tokoba na kupambula malelo na lelo. Epa kweli ndela kisabisu. Matondo, chambi banso bakula kisama obena yonza. Banso tokubianga ma bayoko lina yo. Merci. Miokula kisabisu na nzira ya badon. Na nzira ya ba ministère. Merci beaucoup. Fungula motema matoi. Toyo kapitundima. Misu ya kumuna ndingi yo okosa. Mutu moko na moko ayaki no ya yili kambo. Tokula mbira yopo na biyano. Oyaka, ulubape, uyanula, oko na moko na biso. Tukua hiko kota wa nalulinge moko tope mususu. Mbana mususu za hiko sepelisa yote. Metangu tukubima kuuta na bujali na yo. Tukuzonga ndenge tokotera kite. Tukuzonga batu ya sika. Na biyano. Na kumbra kwa na biso Yesu Kristo. Amen. Tukuhikufa. Et nous invitons prédicateur. To zaliko senga na batu bakusimba lifungula ya biro. Soki ya kasima ya tango kusimba lisusute tikira boba ya kava. Nous demandons à ceux qui tiennent les clés du bureau, si tu viens en retard, ne tiens plus les clés, il faut laisser à ceux qui viennent à temps. Voilà. Si tous les techniciens arrivent à temps. Mingi kolega batimisye bayabangoso. Laisse aux techniciens parce qu'ils viendront avant, ils vont m'ouvrir pour que j'entre. Et puis bakoko fungwera motei po akota a méditer. Et ils peuvent ouvrir pour les invités pour méditer. Tufanda ke oblè di banda. Moi et les prédicateurs, nous étions dehors parce que les bureaux étaient fermés. Merci beaucoup. Matondi mingi. Awa toko zelandeko. Pendant que nous attendons le frère. Toko yemba lo yembo yo. Nous allons chanter ces cantiques. Yeso akitaki awanase. Yeso akitaki awanase. Ona lokumu. Excusez-moi. Bien. Tala ni ekurusu na Yesu mobikisi. Uye, epai na ekurusu. Epai, na ekurusu. Tala ni ekurusu na Yesu mobikisi. Kuna kufera kinga ipatu nyusu wa wanse. Yebale. Peace be upon you, Jésus Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Marc chapitre 10. Tokotanga na mukande ya malako na mukapo ya zomi. Cette fois-ci, on va aller de 17 jusqu'à 27. Tokobanda na zomi na sambo kino. Jusqu'à 27. Kono tukomi bale na sambo. Voici ce qui est écrit. Tala ni yango ekomami. Comme Jésus se mettait en chemin. Kola Yesu amitaki na nzela. Un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Mon maître lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nasala nini pona okonza bokonzi ya lola. Jésus lui dit. Yesu alobi na ye. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pona nini okobenga ngai malamu? Il y a de bon que Dieu seul. Njali na malamu bobele nzambe ye moko. Tu connais le commandement? Yo yebi malako. Tu ne commettras point d'adultère. Yo kosale kobote. Tu ne tueras point. Okobomate. Tu ne déroberas point. Okoyibate. Tu ne diras point de faux témoignages. Okoloba soki mokete matatoli ya lokuta. Tu ne feras tort à personne. Okosala mabe na motote. Honore ton père et ta mère. Kumisa tata na yo mpe mama na yo. Il lui répondit, maître. Ayanolaki ye molakisi. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit. Yesu kotalaka ye alingaki ye mpe alobi na ye. Il te manque une chose. Ejangi yo eloko moko. Va. Kende. Vends tout ce que tu as. Teka biloko nyonso ozana yango. Donne-le aux pauvres. Pesa yango epai na babola. Et tu auras un trésor dans le ciel. Mpe okozwa libomo monene kati na lola. Oui, viens et suis-moi. Mpeyaka pe bilangai. Mais affligé de cette parole. Masiko tout avant la moitié maintenant tient maloba oyo. Cet homme s'en alla tout triste. Moto akienda ki mawampenja. Car il avait de grands biens. Jambi atalaki na biloko minene. Jésus regarda autour de lui dit à ses disciples. Yesu atali nzinga nzinga na yalo bina bayekoli na ye. Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Eko jala pasi mpona baye bazui bomengo mpona koyengela na bokonji na Nzambe. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Bayekoli bakamwa ki na lolenge Yesu atalaki koloba boye. Et reprenant leur dit. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se durent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit. Cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aime. Les premiers à qui on s'allie sur le bois. Nous sommes venus devant toi tels que nous sommes. Reconnaissant que nous sommes sujets à beaucoup d'erreurs. Nous avons bronché réellement d'une manière ou d'une autre. Mais nous venons à toi. Pardonne chacun des biens de mes bien-aimés. Regarde-nous à travers le sang. Regarde-nous à travers le sang.
Parce que tu as dit que quand le juste écrit, toi tu entends. Jambiolo ba kete wana moyenge bena konganga yoko yoka. Nous venons de lire ta parole. Toti kotanga lilubana yo. Nous t'invitons afin que tu sois l'acteur principal. To biangi yo eto ozala moto na likambo yango. Toi tu connais nos besoins. Yo yebi babosenga na biso. Connais les requêtes de tout un chacun. Pe ba requête ya moko na moko. S'il y a des pécheurs, sauve les pécheurs. Soki basumu ke bazali bikisa basumu. S'il y a ceux là qui ne te connaissent pas, toi tu te révèles à qui tu veux. Soki ezali na bayeba yebi yo eto komimonisa kana. Ne permet pas que nous puissions retourner tel que nous sommes entrés. Nous voulons retourner chez nous étant guéris, étant des hommes changés. Et qu'on se le dise que réellement Dieu nous a parlé. Et qu'on se le dise que réellement Dieu nous a parlé. Et quand l'homme dit chemin, viens toi-même parler à ton Père. Et la parole que nous venons de lire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je disais hier que c'est une question capitale. C'est-à-dire que quand nous venons dans la présence de Dieu, tout celui qui écoute la parole de Dieu et qui est touché dans son cœur, il doit se poser cette question. Que dois-je faire pour que je sois agréable à Dieu? Que dois-je faire pour que Dieu me bénisse? Que dois-je faire pour que je puisse être enlevé? Amen. Donc ici nous voyons réellement que ce jeune homme, il avait vraiment un grand besoin. Ça doit être le besoin de chacun de nous. Il avait besoin de la vie éternelle. Et nous disons hier que la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, que ce jeune homme recherchait, que nous avons besoin aujourd'hui. Lisons encore toujours dans Jean. Maintenant au verset 6, et au chapitre 6 plutôt. Yohani, Mokapoya Sambo, Mokapoya Motoba. Et au verset 47, écoutez. Nanzela Kotanga, Tukumire na Sambo. En vérité, je vous l'ai dit. Katina Solo, Katina Solo, Nazari Kolo. Celui qui croit en moi, Yeo ya Kondima Katnangai, a la vie éternelle. Azibo Moe Waseko. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. De Konanga Mobari, de Konanga Moasi. La vie. Bon, la vie terrestre que nous menons sur la terre, elle est vraiment précieuse. Si nous sommes venus devant le Seigneur, parce qu'il nous a donné la bonne santé. Et ceux qui connaissent les Français disent que la bonne santé n'a pas de prix. Amen. Amen. Mais vous savez, depuis 2020, il y a un danger qui s'est levé pour menacer la vie terrestre. Et le monde entier consterné. Les grandes puissances très inquiètes ne savent plus que faire. Parce qu'il y a un danger qui s'est levé. La maladie. Bokono. Un ennemi invisible. Mungula à qui on a donné le nom de coronavirus. Oh, bah, pécié, combo, ya coronavirus. Il faut voir combien d'argent a été dépensé ou bien se dépense jusqu'à ce jour. Pour une vie qui est courte. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Mais combien de fois aujourd'hui, pour certains,
moindre mot de tête. Il doit payer le billet pour la Suisse. Parce qu'il veut vivre. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Mais il nous a créés pour que nous vivions éternellement. Mais le péché a introduit la mort. Personne aussi ne souhaite vieillir. Parce que Dieu nous a prédestinés à être de jeunes. Mais maintenant ici, Dieu nous amène à croire la parole de Dieu pour que nous puissions vivre éternellement. Parce que si aujourd'hui, avec le COVID-19, s'il y a un médecin qui surgissait même ici à Kinshasa, qu'il a inventé par la science une capsule, qui peut vous faire vivre 1000 ans ou 500 ans. Les gens vont vendre facilement même les immeubles qu'ils détiennent pour se procurer cette capsule-là. Pour une vie qui est courte. Pour ceux-là qui ont les sangs forts, 70 ans, 80 ans. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez avoir mon frère, Bandeko, la vie, bon mot, elle est vraiment précieuse. Mais ici, il ne s'agit pas de cette vie la courte. Mais Dieu envoie ses serviteurs pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Ce n'est pas pour vivre 500 ans, mais c'est pour vivre éternellement. Et la condition, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et la condition a été donnée aux anciens jeunes hommes. Ils voulaient aussi avoir la vie éternelle. La vie de Dieu. Mais affligé. Laissez des paroles, il s'en alla. Tout triste. Frère, si nous avons la vie éternelle, là nous devenons une partie de la vie de Dieu. Or, la vie éternelle ne meurt pas. Et le seul moyen pour nous que nous soyons éternels avec lui, c'est quand nous devenons une partie de lui. Et la seule façon pour moi, pour vous, d'être un fils de Dieu, c'est quand nous devenons une partie de Dieu. Dès que nous croyons en son nom. Dans Jean chapitre 1er, il est dit ceci, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que dois-je faire? Que devrez-vous faire? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous croyez, ce n'est pas que de l'autre côté, non. Dès que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Quand vous recevez l'évangile dans votre cœur, alors vous avez la vie éternelle. Vous voyez, frère, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique afin que quiconque croit cela dépend de tout un chacun. Il n'oblige personne. Si toi tu crois, ceux qui ont dit, il te donne la vie éternelle. Si tu ne crois pas, alors attendez votre condamnation. Il est préférable, quand nous venons ici, c'est pour que nous ayons la vie. Et quand vous avez Jésus, vous avez la vie. Quand vous n'avez pas Jésus, quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas la vie. Et nous sommes tous invités. Vous devez naître de son esprit.
Vendez tous vos credos dénominationnels. Vendez tous vos coutumes. Vendez tous vos traditions. Et faites un investissement dans la vie éternelle. Ce jeune homme riche ici, il était un homme d'affaires totalement insensé. Toi et moi, ne nous détournons pas comme ce jeune homme l'avait fait. Ne suivez pas son exemple. Quelle décision il réfléchit pour ce jeune homme? Parce qu'il a eu vraiment l'occasion. Il était en face de la vie éternelle. Quelqu'un qui était vraiment un religieux. Et il a grandi dans une bonne famille qui connaissait Dieu. Parce que quand Jésus lui a dit, observe les commandements, c'était la moindre chose. J'ai observé ça dès ma jeunesse. Et Jésus a aimé ce jeune homme. Mais il te manque une chose. Pas de... une chose. Pour que tu sois en ordre, va. Kende. Va tout ce que tu as hérité de tes pères. Tout ce que tu as reçu du diable. Allez remettre. Kende. Et puis viens. Et puis suis-moi. Mais affligé de cette parole, ce jeune homme s'en alla tout triste. Quelle impudence de la part de ce jeune homme. Et pourtant, il a reçu l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Mais vraiment, de sa propre volonté, il a rejeté cette occasion-là. Mon frère, ma soeur, quand vous venez écouter la parole de Dieu, même si c'est pour la première fois, vous avez déjà une grande responsabilité avec cette parole que tu viens d'écouter. Mon frère, combien de amen as-tu déjà prononcé? Combien d'actions de grâce as-tu déjà données de ce que Dieu a fait dans ta vie? Lisons maintenant dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, nous commençons au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Toi qui as déjà goûté la bonne parole, frère, à partir de ce que tu as déjà goûté, toi qui as eu part au Saint-Esprit, si vous tombez, si vous rejetez la parole de Dieu, ici si nous venons de lire que qui sont tombés, donc il ne peut plus, il dit ceci. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient encore pour leur part le Fils de Dieu. Ce jeune homme riche, à la place de recevoir l'évangile, à la place de mettre en pratique ce que Jésus lui avait demandé, à la place de consommer la cure que Jésus lui a donnée, il a préféré la popularité que donne les richesses de ce monde. Il a préféré le prestige dans lequel il vivait. Voilà les problèmes, frères, qu'on beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui. Et beaucoup de nos églises aussi. Mais remarquez, mon frère, il y a eu Pierre et André. Et quand ils ont eu l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu, et ils avaient compris ce qu'ils devraient faire. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4,
Nous lisons à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pêcher d'hommes. Et je vous ai dit ici, quand il leur a invité, suivez-moi. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Et de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Parce qu'ils ont compris ce qu'ils devraient faire. Ils ont abandonné le filet. Ils ont abandonné le filet et leur père, ils ont suivi Jésus. Amen. Amen. Et c'est comme ça que quand maintenant Jésus donnait cette déclaration sur ce jour-là, quand le Seigneur disait, quand il disait ceci, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 25, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils furent tellement étonnés. C'est pourquoi maintenant au verset 28, écoutez maintenant Pierre ce qu'il devait dire à Jésus. C'est Pierre s'est mis à lui dire, voici maintenant nous avons tout quitté, contrairement à ce jeune homme là qui a rejeté. Mais maintenant nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est qu'il voulait savoir maintenant qu'est-ce qu'ils auront comme récompense. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Il y a aussi un autre qui avait compris ce qu'il devrait faire. Il était reconnu de tous comme étant un grand escroc, un pécheur. Mais il avait compris quand il a eu l'occasion d'être en face de la vie éternelle. Lisons cet homme-là dans Luc 19. Voilà, nous commençons au verset 6. Écoutez. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen.
Amen. Mon frère, quand vous êtes en Christ, il n'y a pas de condamnation. Les gens peuvent vous taxer de ce que tu as fait. Mais quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit celui en qui tu te trouves. Les gens peuvent dire, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais si tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et quand Dieu vous regarde, il ne vous voit pas. Il voit celui en qui vous êtes. Alléluia. Et qu'en est-il encore d'un grand responsable? Frère, si aujourd'hui on vous nomme par exemple président de la prison de Makala, mais c'est une haute fonction qui vous donne beaucoup d'occasions. Mais il y avait aussi un grand responsable. Mais quand il a reconnu, quand il a vu le miracle, non, lui aussi pouvait se demander de ce qu'il devrait faire. Et il avait compris ce qu'il devrait faire. Lisons cela dans Acte 16. Acte 16. Là, nous lisons à partir du verset 25. Même si on ne saura pas lire tout, mais nous commençons seulement au verset 25. Il y a Paul et Silas qui furent emprisonniers. Parce que Paul avait chassé l'esprit des pitons qui opérait dans une certaine femme. Parce que ces dons-là procuraient de l'argent à ses membres de famille. Voilà ce qui est écrit ici. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La même question revient. Que faut-il que je fasse pour être sauvé, pour que j'aie la vie éternelle? Alléluia. Écoutez la réponse. Que faut-il d'abord que je fasse pour que j'aie la vie éternelle? Paul et Silas se répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quand on leur annonçait la parole, comme la foi vient de ce qu'on entend, cette nuit-là, les éoliers et toute sa famille furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et enfin, il y a encore un autre pour enseigner que celui-ci en dernier. Paul aussi, il a aussi compris ce qu'il devrait faire. Quand il a rencontré la colonne de feu, contrairement à ce jeune homme riche, Paul, lui qui était aussi riche en ambition, c'était un riche, vraiment. Il était quand même riche en ambition. Mais il a compris ce qu'il devrait faire. Voyons d'abord la réaction de Paul. Dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3.
Là, nous lisons à partir du verset 7. Écoutez. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et trembla et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que vous êtes ici? La même question revient: que veux-tu que je fasse? Lui est un grand docteur. Dans la présence de Dieu, il ne pouvait plus utiliser sa théologie. Il ne savait que faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, mais il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Frère, dès qu'il se releva de terre, il a renoncé à la mission qu'on lui avait remise. Malgré les promesses qu'on lui avait formulées, parce qu'avec le niveau qu'il détenait, il pouvait bien devenir un jour souverain sacrificateur. Mais il a renoncé à toutes ces choses-là. Il a renoncé à toutes ses ambitions. Il finit avec cette mission-là. Je crois que Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Amène-moi à Damas. Il m'a dit que m'amène à Damas. C'est à Damas qu'on doit me dire ce que je dois faire. Lui est un grand docteur de la loi. Toutes les instructions qu'il a reçues ne pouvaient plus l'aider. On l'amena à Damas. Et notre Dieu, à Damas, là-bas, il y avait un disciple nommé Anania. Dieu va parler à Anania. Il y a un homme là qui se trouve dans la rue à droite. Il se nomme Paul de Tarse. C'est toi qui l'as vu en vision et que tu lui as imposé les mains afin qu'il recouvre la vie. Anania pouvait se dire: en tout cas, Seigneur, ah, tel que je connais cet homme, non, pas lui. Yete. Non, notre Dieu est souverain. Il sauve qui il veut. Parce qu'Anana pouvait dire: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux-là qui invoquent ton nom. Donc pour Anania, en tout cas, il est trop mauvais. Mais aujourd'hui, Jésus appelle n'importe qui. Quel que soit ce que tu as fait, venez vous tous que tu charges fatigué. Jésus vous donnera du repos. Amen. Mon frère, ma soeur, si une fois vous allez au ciel, et puis vous retrouvez là-bas le fait président Mobutu. Alors, il va discuter que non, pas lui. Non, il a commis beaucoup de choses. Est-ce que nous avons été là où il a terminé sa vie? C'est la repentance qui arrête la colère de Dieu. Quel que soit ce que vous avez fait, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a un péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, Paul avait compris ce jour-là.
Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu a recommandé à Anania qui voulait discuter? Au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un esprit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Frère, le sali, c'est Dieu qui donne le sali. Qui peut donner conseil à Dieu, frère? Nous sommes appelés seulement à croire ce qu'il lui nous dit. Frère, quand il s'est rendu à Damas, Anania finalement est venu lui imposer les mains et il lui a présenté la parole de Dieu et il l'a baptisé et Paul a reçu le Saint-Esprit parce qu'il avait abandonné tout. Toutes ses ambitions là, ce qu'il voulait devenir, tout. Il a abandonné, frère. Non, suivez l'exemple de Paul. Amen. Il a vendu tout ce qu'il avait. Toute sa popularité, il a vendu. Toutes ses ambitions, il a abandonné. Toute son instruction qu'il a reçue auprès de Gamaliel, du docteur Gamaliel, il a abandonné. Et Paul pouvait donner une déclaration. J'ai oublié toute ma connaissance pour connaître Christ. J'ai oublié toute ma connaissance pour connaître Christ. Alléluia. Paul, dès qu'il a compris, dès qu'il a vu lui-même l'expérience, il était prêt d'abandonner les grands enseignements qu'il avait reçus de Gamaliel. Parce qu'il voulait investir toute sa vie en Christ. Et il s'est décidé même de devenir un esclave lié par l'amour pour Christ. C'est ce qu'il nous faut faire, nous tous, frères. Suivons Paul. Frère, avec les études qu'il avait fait. Il devait devenir un grand homme. Mais quand il a rencontré, il a abandonné tout. Écoute les déclarations de Paul. Dans Romains chapitre 8. Et à partir du verset 35. Écoutez ce qu'il dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le paix? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Voilà la décision de Paul quand lui l'a rencontré. Et quand il pouvait écrire aux Corinthiens, il pouvait leur dire, je ne suis pas venu vers vous avec les discours enflés de mon instruction. Parce que vous auriez foi à mon instruction. Mais je suis venu vers vous dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit afin que votre foi soit fondée sur Christ. Mon frère, ma soeur, puissions-nous investir notre temps, notre talent, tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas possible que nous puissions investir notre temps? Est-ce que le temps que Dieu vous a donné, tout ce que Dieu vous a donné, si c'est de l'argent, que ce soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour être béni? Frère, vous voulez être béni? Il faut bénir Israël.
Vous voulez être béni matériellement? Soutenez l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent se faire dans ces bâtiments. Vous cherchez les bénédictions? Mais vous devez investir. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez aussi les ministères que Dieu a établis au milieu de vous. Alléluia. Parce qu'il est dit aussi ailleurs. Vous voulez être béni? Lisons un peu dans Galates. Ce verset-là paraît difficile à beaucoup de gens. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, ce n'est pas la dîme. Hein? Que dois-je faire pour que tu puisses réussir? Confiez-vous en ce serviteur des prophètes. Tout ce que vous voulez faire, si vous souhaitez la réussite, consultez votre pasteur même dans les moindres choses. C'est l'ange de l'église que Dieu a établi. Pour consulter Dieu, consultez votre pasteur. Parce que les prophètes aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ce sont tous ceux-là qui se mettent derrière la chair. Vous voulez être béni? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Vous allez dans une maison, dans un supermarché, mais pensez aussi à celui qui vous enseigne. Il va dans une maison d'habillement, pensez aussi à celui qui vous enseigne. Si vous voulez être béni, prenons Dieu au mot. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Paul a compris. Il a résolu que non. Je dois tout abandonner. Et nous aussi, avec le temps que Dieu nous donne, avec les talents que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, que ce soit pour la gloire de Dieu. Sachant que peu importe que vous gagnez le monde entier, si nous perdons nos âmes, à quoi cela nous servira-t-il, mon frère? C'est ce que Matthieu nous dit encore dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, voulez-vous aussi suivre Jésus? Voulez-vous le suivre? Écoutez ce que la réponse, la Bible qu'il donne. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il y rendra à chacun selon ses œuvres. Le salut est individuel. À chacun selon ses œuvres. Frère, que Dieu nous aide tous afin que nous puissions être reconnaissants. Dieu nous a fait grâce de connaître le temps dans lequel nous vivons et de connaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Frère, quand Dieu vous donne beaucoup, il va aussi vous demander beaucoup. Depuis le début de cette année, combien de serviteurs de Dieu venaient déjà de défiler ici? Combien, frère? Vous pouvez connaître le nombre de prédications que vous avez déjà reçues. Et maintenant, depuis que vous venez ici, avez-vous déjà reçu la vie éternelle? Vous qui n'êtes pas encore né de nouveau.
Comment maintenant Dieu peut vous adopter et vous donner le Saint-Esprit? La première des choses, mon frère, croyez au Seigneur Jésus afin que vous ayez la vie éternelle. Et ensuite, Dieu peut alors vous adopter. Il agrée votre foi en vous donnant le Saint-Esprit. Et quand il vous donne le Saint-Esprit, là vous devenez candidat de l'enlèvement. Amen. Amen. Frère, avez-vous déjà reçu la vie éternelle? Il y a une question qui nous est posée. Aujourd'hui, ce soir, qui voudra bien investir tout ce qu'il a pour hériter la vie éternelle? Parce que nous pourrons bien connaître ce jeune homme-là. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, Dieu nous demande, qui voudra maintenant aujourd'hui investir tout ce qu'il a? L'argent qu'il a, tout ce que vous avez là, pour avoir la vie éternelle. Si c'est vous, la condition, vendez les choses auxquelles vous vous tenez. Vendez toutes ces choses-là auxquelles vous vous tenez. Vendez toutes ces choses-là qui vous empêchent de servir Dieu. Vendez-les, mon frère. Parce que dans Romains, au chapitre 13, parce qu'on suppose que vous êtes déjà né de nouveau. Et au verset 11, il est dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbres. Dépouillez-vous des œuvres du ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des orgies, loin des livrognéries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Mon frère, ma sœur, par contre, malgré l'opportunité qu'il avait reçue, lui qui avait eu l'occasion d'être en face de la vie éternelle, mais ce jeune homme riche s'en allait tout triste, car il avait des grands biens. Mais malgré il a rejeté l'occasion qu'il avait reçue. Ses biens n'avaient pas cessé d'augmenter. Il y progressa. Peut-être c'est ça aussi ce qui arrive dans votre vie. Quand vous sortez, vous menez une autre vie. Quand vous venez ici, vous pensez comme un saint homme, une sainte femme. Et quand vous sortez, vous rejetez tout ce que vous venez écouter ici. Même si vos affaires avancent, ne pensez jamais que parce que le volume de vos affaires augmente, qu'il s'agit toujours des bénédictions de Dieu. Non. Les méchants aussi prospèrent. Amen. Et cet homme ici, ce jeune homme riche, quoi qu'il a rejeté l'occasion, mais il devint si prospère qu'il a dû même en construire de nouveaux greniers. Lisons son histoire dans Luc 12. C'est toujours de ce jeune homme-là dont il est question. Luc 12. Au verset 16, écoutez. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il y raisonnait en lui-même disant, que ferais-je? Frère, si vos affaires augmentent et tu réalises un grand bénéfice, tu vas aussi te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire? Enlève d'abord la part de Dieu, mettez Dieu à la première position, c'est lui le donateur de toutes choses. Mais contrairement à ce jeune homme, écoutez ce qu'il a fait. Que ferais-je?
car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, c'est pour qui sera-ce? C'est pour qui sera-ce? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Non, c'est soit être riche pour Dieu. Tout ce que vous faites à celui qui a cru, c'est à Jésus que vous le faites. Eh bien, lui pensait avoir fait la chose correcte en rejetant la vie éternelle, en refusant d'investir en Jésus. Il pensait que comme il avait prospéré en bien du monde, que il avait fait la chose correcte. C'est ce que même les dénominations pensent. Comme les groupes comptent des millions, ils comptent des milliards, ils croient qu'ils sont dans les vrais. Et nombreux croyants même du message du temps de la fin pensent aussi la même chose. Parce que beaucoup se sont détournés de la vérité et pressent des faussetés. Mais du fait qu'ils comptent des milliards, ils croient qu'ils sont dans les vrais. Non, Dieu est dans sa parole. Il veille sur ce qu'il a dit. Et il tient sa parole. Notre Irim Tumim, c'est la Bible. Mais beaucoup de gens pensent, non, comme les matériels servent à augmenter, Dieu est avec moi. Beaucoup sont tombés dans des fausses doctrines aujourd'hui. Mais parce qu'ils construisent des grands bâtiments, des milliers de croyants, des milliards, ils pensent qu'ils sont dans les vrais. Mon frère, si nous comparons maintenant notre âge, l'âge de la Odyssée dans lequel nous vivons, si on pouvait les comparer à ces jeunes hommes riches, vous savez, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit pour la Odyssée? L'église de la Odyssée, tu es riche, tu t'es enrichi, et que tu n'as besoin de rien. Mais elle ne sait même pas qu'elle est nue, misérable, pauvre, malheureux, aveugle, et puis tu ne le sais pas. Quelles conditions déplorables. Tu es ni, mais tu ne sais pas que tu es. Tu es aveugle, mais tu ne sais pas. Si à moi d'ici, mais ils ne savent même pas. Tu vois que vraiment, les comportements, c'est vraiment l'Odyssée. Vraiment, amen. Et c'est à notre âge où Jésus se trouve dehors. Mais lui qui est miséricordieux, jusqu'à ce soir, il se tient avec amour, frappe à la porte de votre âme. Il veut entrer pour qu'il règne dans votre vie. Ne le réservez pas seulement au salon. Lui veut régner partout là, même dans votre vie privée. Il veut entrer dans toutes ces chambres là, afin qu'il règne. Et c'est comme il dit que c'est lui qui entend ma voix. Et s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est dans cet âge où Jésus est mis dehors. Mais il continue malgré tout à frapper, essayant de rentrer dans sa propre église, essayant de nous unir dans le corps mystique de Jésus, ce corps qui est appelé épouse. Mais les gens refusent. Allô, mon frère,
Ma sœur, si tu es membre d'une dénomination quelconque, et si votre dénomination a fermé la porte à un tel message biblique, frère, faites attention à ce que Dieu dit. Parce qu'un véritable investissement, placez votre vie en Christ. Placez votre temps en Christ. Votre argent en Christ. Votre talent en Christ. Placez tout ce que vous avez en Christ. À quoi bon être populaire? À quoi bon être appelé diacre? Parce que quand on vous nomme diacre, c'est ça les soirées. À quoi bon être appelé ministre? À quoi bon être appelé docteur? Membre du conseil. Pasteur. Évêque. Ancien. Pape. Ou peu importe les titres qu'on puisse vous donner. Ce sont des éloges des hommes. Dans question réponse du 12 janvier 61, c'est là où le frère Branham me dit un peu au paragraphe 460, je n'ai pas la brochure ici, même 29 à 38. Mais comment on peut condamner un frère qui veut occuper un poste où il n'est pas mis? L'essentiel, quoi la parole de Dieu? Tous ces titres-là ne peuvent pas vous donner les salis. Nous sommes appelés tous à vivre la parole de Dieu. Amen. Préférez d'ailleurs être traité fou pour Christ. Les gens vous appellent fou. Mais toi-même, tu es un fils de Dieu dans ton cœur. Parce que tu es né de nouveau. Et tu crois que tu as reçu l'Esprit de Dieu en vous. Qu'est-ce que soit ce que les gens peuvent dire? C'est comme quand nous disons dans 1 Pierre. 1 Pierre 4. Écoutez, mes bien-aimés. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Refusez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes erré. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme maîtrier. Ou voleur, ou malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires de Dieu. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte. Et que plus il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Mon frère, Paul pouvait dire par la suite, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même s'il fut un grand enseignant, un érudit de la parole de Dieu, mais sa vie changea quand il a rencontré Christ. Parce qu'il a fait son investissement en Christ. Il était devenu dès lors un autre homme. Mais remarquez ce jeune homme riche, frère. Il devint extrêmement riche. Il avait énormément investi dans sa propre église. Il a investi dans son organisation. Son organisation qu'il tenait pour quelqu'un de très important. Mais en fin de compte, sa récompense vint. C'était qu'il se retrouva en enfer parce qu'il avait fait un mauvais investissement. C'est le même génome là qui se retrouva en enfer. Et alors qu'il était en enfer, quand il leva les yeux au ciel, il a vu les pauvres en esprit Lazare qui avait fait son investissement et qui en jouissait dans le sein d'Abraham. Et là, dans le séjour des morts, quand il leva les yeux au ciel, il pleura. Et il était devenu un mendiant. Amen. Il pouvait dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare.
avec une petite goutte d'eau. Sur ses doigts afin qu'il puisse toucher mes lèvres. Ce fait me tourmente. Voilà la récompense qu'il avait reçue, frère. Pourquoi cette récompense-là? C'est le refus de faire un bon investissement. C'est pour vous les hommes d'affaires. Ne faites pas cela. Vendez toutes les perles que vous avez et achetez celles de grand prix. Faites votre investissement en Christ. Alléluia. Faites votre investissement en Christ. Est-ce comme ça, à la fin, Jésus a dit à ces gens-là qui avaient sacrifié tout ce qu'ils avaient et qui s'était engagé pour recevoir la vie éternelle, il avait dit, bon, débarrassez-vous de toutes vos différences. Baptiste catholique, noir, blanc, jaune, brun, allez tous dans la vie de Jérusalem. Et attendez jusqu'à ce que je l'envoie. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Enfin, on nous dit qu'il y avait là dans la chambre haute, 120 qui s'étaient engagés et ils sont allés là-bas pour prendre leurs intérêts sur leur investissement. Et qui était présent à Jérusalem, mon frère? Le jour de Pentecôte. Je crois que c'est le dernier verset que je vais lire. Qui était présent à Jérusalem? Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Acte 2, au verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Et puis, des hommes pieux. Des hommes pieux venant d'où? Des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les Africains étaient là. Les Européens étaient là. Les Océaniques étaient là. Les Américains étaient là. De toutes les nations sous les cieux. Présents à Jérusalem. Et quand ils accoururent, ils se disent les uns les autres, ces gens sont ivres. Alors c'est lui qui détenait les clés. Pierre, quand il s'est levé, quand il a prononcé son discours, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, les discours de Pierre, il y a eu un grand groupe, une foule de gens qui avaient réalisé que leur vie n'était pas en ordre. Alors il dit à Pierre, toi Pierre et les autres hommes, que ferons-nous? La même question que chacun doit se poser. Que dois-je faire pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire pour être béni? C'est de vous demander à Pierre. Toi, Pierre, et les autres hommes, que ferons-nous? Pierre rempli du Saint-Esprit, répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais pris position pour Jésus, c'est maintenant. Il y a un évangéliste, Daniel Kiri, lui croyait comme il était évangéliste qu'il va aller vers au ciel là. Quand son tour arriva, il dit, mais non, attendez, il ne faut pas passer. Bah, on va d'abord vérifier ton nom. Quand on a vérifié le nom, le nom n'était pas là. Il dit, mais moi qui ai fait entrer beaucoup de gens, j'ai prêché la parole de Dieu. En tout cas, vous savez, à la grande lumière. Et quand il s'est avancé à la grande lumière, frère, nous sommes sauvés par la grâce. Quand on a demandé à Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, tu n'as pas commis adultère. Oui, je l'ai commis. Frère, mais quand vous convoitez une femme, vous avez commis adultère, non? Tu n'as pas fait de compromis. Toi, évangéliste. Oui, j'ai commis des compromis. Et puis, est-ce que tu n'as pas volé? Mon frère, les jours qu'on t'a donné 1000 francs. Mille francs. Est-ce que tu avais donné les 100 francs là de la dîme? Yo, pensez que 100 francs la dîme. Oui, vous négligez que non, c'est pas votre argent. Yo, négligez le bien que t'es âmes sur la yote. Qui peut dire parmi nous ici qui n'a pas encore volé l'argent de Dieu? Nani a coquille que le bacatkat n'a besoin de nana yiban. Tout ce que vous recevez vous donnez. Est-ce que nous sommes au courant? Daniel qui dit non, j'ai volé. Condamné.
Et il était conscient qu'il était condamné. Mais heureusement pour lui, il y avait une voix douce qui sortait, grâce, grâce. Quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Prenons position pour la parole maintenant. Amen. C'est par la grâce. Quand nous prenons position pour la parole de Dieu. Que dois-je faire? Prends position pour la parole de Dieu. Toi, au Seigneur Jésus. Toi qui n'as jamais pris position. Toi qui n'as jamais été baptisé correctement. C'est ton jour. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et Dieu tiendra sa parole et vous donnera le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Le Père aime le Fils. Tatango alingi mwana. Le Père Tatango aime le Fils. Alingi mwana ngo. Et il a mis, il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Tatango alingi mwana ngo. Il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit au Fils. À la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils. Ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous allons prier. Jambe. Izande yo. Mopesi ya bomoi bwaseko. Yonde. Mutu akokite na yemei dibanda na yo kuzwa bomo ibwaseko. Obele ye oyo andimi yo, andimi kati na yo, azi mwana na yo, ye wana ajiba moi. Yangwana nkolo. Irenge mojui oyo. Ajwa na mokilia wabiro kwebili. Meloko moko kaka zaki kuzanga. Ipe iloko angoe zanga kaye. Yangondele kina mutu. Bomoi wase. Yobo moyangu bwase. Akutani na yo. Ayuki okuloba. Atuni yo. Oyanuli ye. Pe oinvite ye. Alanda yo.
Aya epai na yo azwa yo. Ezaki occasion oyo moko na moko na biso akokutana na yo. Kokutana na yo ezali kokutana bomoi bwa seko ezali bakumala. Nde na ntango wana nde omoni ke yango na bandai koluka yango oyo. Yango na nkolo sunga ngai awa nakutanaka na yo ezala mpona libela na lâche te. Bomoi mosusu bozalaka te libanda na yo. Yo oza bomoi bwa seko oya awa mpo bato bazwa yo. Soko tika kobena lola tokoye komona ya mosika nani akokende yo yeye pa na biso mpo tozwa yo toyamba yo. Bae babwakaki yo ntango yo yaki babwakaki nde bomoi mpo bayambaki yo bayambi bomoi oza lolenge moko obongwanaka te ti lelo na poko oyo ntango otindeli biso ndeko mosali na yo ezali mpona koteya biso toyeba nani bomoi bwa seko toyamba ye mpo tozwa mpe na ndimi nkolo oyo bakutana na yo bayoka sango na yo ntango sango ezali kopresente yo mpe bayambaka yo bazwa bomoi bwa seko boyo mpe bakoyamba yo lelo bazozwa mpe tomona ke na biloko tozwi awa na mabele ya na eloko oyo ekokani na yo te yo nde bomoi biloko nyonso biza pamba pamba pamba. Eloko ya motuya eza kaka yo mwana yango na nzambe bomoi bwa seko. Matondo, pambula moko na moko na biso, pambula mosali wa yo wo nzambe. Nga nakokaki kolakisa soki nasali boye, soki nasali boye nazwa bomoi. Bomoi bwa seko kutu eza nango lifuti te. Ya lifuti te, me bomoi bwa seko eza likabo. Yo okokabela nani atyeli yo motema, nani andimi yo. Oyo andimi mosala ya Golgota, mosala ya Yekulusu. Oyo andimi bolema to liboma ya liteya ya Yekulusu. Aza sove. Mpe eta sove. Approuver à mon avis na ye quotidienne. Merci Seigneur. Soki na kati na biso ezwamaki mutu moko asaka kotenga tenga koluka luka bomoi bwa seko melero toyebi toko kozwa ngo sikoyo parce que eza yo pe oza musika te wa pembeni na moko na moko. Na nzela ya liteya na nzela ya sango bakopresente biso bomoi bwa seko biso bateyi eloko tokosuka bobele kotalisa bato nani aza bomoi bwa seko me yo bandai koteya bomoi bwa seko te yo moko nde bomoi yango bwa seko. Merci Seigneur. Matondo, merci. Notre frère Ndombe Pierre viendra prier. Dieu notre bien-aimé Père Céleste, Zambe Tatana Biso Mulinga Mialola, nous te sommes très reconnaissants encore ce soir pour avoir répondu tes différentes grâces par le message de ce soir, qui nous a révélé la chose essentielle, c'est la vie éternelle. Et comme ces jeunes riches, nous aussi ce soir, cette vie éternelle nous est présentée.
Mais quelle serait la réaction de chacun de nous? Allons-nous accepter d'investir tout ce que nous avons pour avoir la vie éternelle? Ou que nous allons trouver que le plaisir du monde vaut plus que la vie éternelle? Et nous allons nous détourner comme ce fut le cas de ces jeunes. Qu'il n'en soit pas le cas pour aucun de nous ce soir, Seigneur. Mais que nous puissions réellement t'accepter avec joie. Oui, Seigneur. Que nous puissions t'accepter réellement comme donc, notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes dans ce monde de temps difficiles. Mais tes enfants ont quand même osé venir à toi, Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu que c'est en toi qu'est la vie éternelle. Et personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Si nous sommes venus, c'est puisque le Père nous a appelés. Et tu as promis que ceux qui viendront à toi, tu ne perdras aucun d'eux. Accorde-nous la foi, Seigneur, pour que nous puissions réellement croire en toi et avoir la vie éternelle que tu as promise. Non pas regarder à nos mérites, car nous n'en avons aucun. Tu avais résolu nous sauver simplement par la grâce. Et que chaque cette grâce soit accordée à chacun de nous. Pour qu'à la fin de notre pèlerinage sur la terre, et lorsque nous allons nous trouver devant cette grande lumière, et que nous nous reconnaîtrons coupables de tout, cette grâce puisse chanter: que Père, il a pris la position pour moi. Merci Seigneur Jésus. Bénis chacun de tes enfants, tes fils et tes filles qui ont reçu cette parole avec joie. Que cette parole chante dans leur cœur et soit une consolation pour chacun, reconnaissant qu'il a la vie éternelle puisqu'il a crié en toi. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Et cette vie éternelle que tu as voulu nous l'accorder, Seigneur, ça le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est pour cette raison. Dès ce soir, tout celui qui est venu avec un problème quelconque et a ouvert le cœur pour te recevoir, toi, la vie éternelle, rentre chez lui dans la joie et l'allégresse, parce qu'il a trouvé sa solution. Le malade soit guéri. L'enchaîné soit délié. Et l'affligé soit consolé. Et que la vie éternelle soit accordée à ceux qui ont désir. Nous sommes dans la joie, Seigneur, à cause de ces messages rassurants. Quand il est dit, rassurez-vous,
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Les diables viennent mentir, essayant de faire douter à quelques-uns la vie éternelle. Mais nous, nous sommes rassurés par cette parole du Seigneur, que nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre, mais nous ne perdrons pas courage, car nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Quand tout reçoit honneur et gloire, ainsi que louange, au nom précieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.